On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode des étranges unboxings de Charles. Ça fait 3 mois que j'ai sorti le premier épisode et en vrai c'est hyper compliqué de trouver des objets intéressants, assez intrigants pour mériter d'être dans ces vidéos. Mais aujourd'hui j'ai 3 objets à tester. J'ai choisi des choses qui sont quand même assez hors du commun ou en tout cas qui sont pas connues des gens qui sont pas à fond dans la vidéo tout le temps. Et le but c'est de vous faire découvrir de nouveaux produits, de les tester et de voir tout simplement si c'est pertinent pour votre utilisation. Sur ma table aujourd'hui j'ai... 3 objets. Alors, il y a 2 produits que j'ai achetés avec mon propre argent et un autre produit qui m'a été envoyé par Holyland. Enfin, Holyland d'ailleurs est le sponsor de cette vidéo. Je leur ai proposé de tester ce Lark 150 qui est un kit de micro hyper intéressant et surtout extrêmement pratique et transportable. On va déballer celui-là en premier et la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous pouvez tout simplement en remporter un. Eh oui, il y avait déjà un concours la semaine dernière. Aujourd'hui, on fait encore gagner un produit et franchement, j'essaye de vous mettre bien. J'espère que ça vous fait plaisir. On a ensuite un filtre qui est très très spécial, qui est assez funky, si je puis dire. Et alors non, ce n'est pas une bouteille de whisky. C'est un 420 800 mm que j'ai acheté 100 € sur Amazon. Ouais, non, ça sent pas bon, hein, mais... Donc on va tester tout ça, on commence par le petit kit de micro de Holyland. J'assume, j'ai une feuille avec quelques infos techniques pour pas me tromper dans les chiffres, c'est important. Et d'ailleurs, si vous voulez voir d'autres concepts de ce genre, un peu plutôt unboxing, studio et même des vidéos en extérieur, même de voyage bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, et même pourquoi pas mettre la cloche et les notifications, c'est très important. On a donc un boîtier avec un émetteur et... 2 transmetteurs. Ce qui est hyper intéressant selon moi, et pourquoi je voulais le tester dans une vidéo comme ça, c'est que j'avais déjà un autre micro de chez Rode, le Wireless Go, qui était un petit kit tout petit, vraiment très pratique, pas la meilleure qualité sonore du monde, mais qui était vraiment suffisant pour YouTube, et qui permettait d'avoir des petits micros clippés, et surtout que le clip que je mettais sur les personnes à interviewer, en fait, il y avait déjà un micro intégré. Et ben là, ça fait la même chose, mais... Il n'y a pas un micro, il y a 2 micros. Donc tu peux, avec un kit, avec une prise jack, interviewer par exemple, ou faire moi une interview à quelqu'un, avec 2 micros posés sur les gens, avec ce kit unique. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc on va le déballer. Et on arrive très vite dans le vif du sujet. Oh! Alors... On a un boîtier, je vais pas vous mentir, qui est en plastique, hein, voilà. Mais d'aspect qui est plutôt quali, franchement, avec le kit complet, tout simplement, à l'intérieur. On retrouve donc le récepteur, qui va se mettre sur votre caméra avec un petit système de clips, tout simple, et qui vient se glisser dans la griffe micro. Et on a 2 transmetteurs, avec 2 capsules micro carrément intégrées, donc ça, c'est hyper cool, clairement, parce que du coup, je peux le mettre là, et j'ai un micro qui marche directement sans fil, ça, c'est incroyable. Et surtout, j'avais peur, mais en fait, c'est pas des boîtiers tout petits non plus, donc évidemment, ça se voit quand même quand tu le mets, mais ça fait 20 grammes par boîtier, donc autant vous dire que ça va pas tirer sur votre t-shirt, c'est assez petit et vraiment pratique à ce niveau-là. Et bien sûr, vous pouvez aussi brancher un micro cravate en jack sur ces micros sans souci, ça peut même servir à brancher au final n'importe quel micro en jack. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je finis de déballer un petit peu. Alors, voilà, il y a plein d'accessoires. Waouh, ok. Alors, on a donc 2 transmetteurs, 1 récepteur, 2 micro-cravates lavalier. Je savais pas qu'ils étaient dedans, mais ils fournissent 2 micro-cravates. Il y a 2 petites bonnettes qui viennent se clipser de manière, j'ai l'impression, très très bien. Oh oui, non, alors ça par contre, c'est incroyable. Là, en fait, ils ont mis une genre de fausse prise jack en plastique qui vient en fait se glisser dans le jack. Et du coup, ça vient se fixer. Et ça bougera pas. Comme je disais, il y a une petite prise USB-C pour charger le chargeur. Et en fait, tu viens, en vrai, excusez-moi, mais tu fais ça. Tu branches ton câble et il y a tout qui charge en même temps. Et je vous ai pas dit le meilleur, c'est que chacun des émetteurs a environ 4h30 d'autonomie, ce qui est déjà pas mal. Le récepteur lui fait 7h30 d'autonomie. Mais là où ça devient hyper intéressant, c'est que la charge du boîtier permet de recharger l'ensemble sans le brancher quasiment 2,5 fois. Donc en fait, t'as techniquement, avec le boîtier sans avoir à le rebrancher, t'as 9 heures de charge par transmetteur et t'as 15 heures sur le récepteur. Autant te dire que t'es tranquille, et encore une fois, quand tu le recharges, tu plugs et y a pas de truc qui se balade, c'est propre, c'est clean, et ça vraiment c'est pas mal. Franchement, je suis impressionné de tout ce qu'il y a dans le kit pour un si petit prix, parce qu'on est à moins de 300 € pour un kit HF avec 2 micros, plus 2 micro-cravates. Charles du montage, pour dire un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que, évidemment, il y a le concurrent principal du Lark 150 qui est maintenant le Rode Wireless Go 2. C'est un kit qui a aussi 1 récepteur et 2 transmetteurs. Je pense que le son est relativement équivalent. Par contre, le Rode est déjà un petit peu plus cher. Et surtout, ils fournissent pas le boîtier qui permet la recharge. Ils fournissent juste une petite pochette. Il n'y a pas les 2 micro-cravates en plus. En tout cas, il y a aussi maintenant un autre concurrent qui propose à peu près le même service, mais avec moins d'accessoires. On est sur une portée donnée de 100 mètres avec 5 millisecondes de latence, ce qui est techniquement très très bien. Il y a du mono, il y a du stéréo, il y a un mode sécurité. J'ai pas réussi à trouver pour l'instant ce que c'était le mode sécurité, du coup je vais regarder dans le manuel, voir un petit peu ce qu'ils disent, mais ça m'intéresse beaucoup. Sur le canal gauche et canal droit, il y a le canal droit qui est à moins 6 dB, donc qui permet d'éviter, s'il y a vraiment quelqu'un qui s'exclame ou quoi, d'éviter que ça sature en récupérant un canal avec une petite sécurité, donc ça c'est vraiment bien. C'est plein de petites fonctionnalités. Bon, on va allumer tout ça. On peut régler chacun des micros de moins 10 à plus 10 dB, ok. Donc il y a le petit niveau qui est là, on peut gérer du coup chacun des deux avec une petite molette chacun, et il y a un petit bouton mute pour les muter. Alors non seulement il y a le line out qui permet du coup de relier à la caméra, et si votre caméra n'a pas de prise jack, ce qui arrive encore relativement souvent sur des caméras plus petit budget,
il y a une prise casque. Donc tu peux en plus brancher un casque dedans pour monitorer l'audio. Ça fait beaucoup beaucoup de choses très très pertinentes, je trouve, dans un petit paquet. Tout, on va faire des tests de portée, de qualité. Il y a un petit peu de vent dehors, je pense que ça va être un très bon test. C'est parti. Donc là, le son marche, j'imagine, nickel. J'ai une validation du son. Et alors, ce qui est pas mal, regarde, c'est que là, tu sais, les concepts de youtubeurs où il y a le cadreur qui parle aussi, regarde, tiens. Attends. Et voilà, et maintenant, Maxime peut participer à la conversation. Tu vas bien? Ça va, super, merci. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai un micro qui me suit partout, qui est facile, qui est rechargeable hyper simplement. Ah, le vent! T'entends le vent? Ouais, j'entends un peu le vent. Attendez, j'ai oublié la bonnette. Alors, en fait, il y a la petite bonnette qui vient se ficher dans la prise jack, et je trouve ça encore une fois exceptionnel comme design. Ça n'a pas changé le son, il n'y a plus de bruit de vent. Ah bon, apparemment ça étouffe un peu, donc on va peut-être monter le gain un petit peu. Alors en setting, je suis pas sûr de la bonne manœuvre, mais en gros on a mis ça à fond et l'ampli de l'appareil qui est supposé être moins bon, quasiment au minimum. Voilà, juste pour info, on va tester quand même, on va faire le test avec le micro-cravate. Là je parle actuellement du coup avec le micro-cravate qui est fourni avec, donc ils fournissent deux micro-cravates. C'est le micro-cravate qui est fourni, qui est branché sur le LARC. On va tester à distance. Alors, là tu m'entends toujours, je vais me retourner un petit peu. Tu m'entends toujours? Tu sais quoi, je vais sortir et on va voir jusqu'où ça va. Ouais, non mais j'en ai marre, moi je me barre, c'est tout. Il est là-bas, je l'entends plus. Donc là tu me réentends maintenant. Il n'y a peut-être pas les 100 mètres, après il y a du métal et tout, là j'ai peut-être pas eu les 100 mètres, mais peut-être qu'il faut retenir, c'est juste que vous allez rarement avoir le cas de situation où au final, vous allez si loin de votre récepteur quoi. Bah voilà, petit test fini. Pour le prix, encore une fois, vu ce qu'il y a dans le kit, ça a l'air incroyable. J'ai plus rien à dire, c'est fini. Passons au deuxième objet. Alors, petite confession, je l'ai déjà déballé, parce qu'en fait, je devais le tester, voir si ça marchait vraiment. Mais je voulais vous présenter ça parce que c'est quand même assez intéressant, je trouve. Donc ça vient de Prism Lens FX. Et moi, j'ai pris un filtre qu'il propose, c'est un filtre anamorphique. Alors oui, l'anamorphique, il faut des objectifs anamorphiques pour faire un rendu anamorphique. Comme au cinéma, on a l'habitude d'en voir souvent. Typiquement, le rendu anamorphique, c'est le bokeh en arrière-plan qui est un petit peu ovale. Bon, ça, c'est compliqué à reproduire. Et aussi les flares, donc tous les effets de lumière qu'on voit derrière. Et ça leur fait un flare très droit, en fait, ça fait une barre. Je l'ai pas beaucoup testé, donc on va pouvoir le tester ensemble. À mon avis, alors ça m'a coûté 120 balles de livraison. 120 balles pour amener un filtre des États-Unis à la France. Autant vous dire que mon seum est grand. Il y a déjà mes traces de doigts dessus, et ça c'est un plaisir. Pas grand chose à dire quoi, c'est un bout de verre avec des genres de traits de toutes les couleurs. Donc alors là je fais l'exemple avec mon GH5. Du coup j'ai acheté la mini matbox de Tilta, qui permet du coup d'éviter les débordements de lumière. Moi j'ai souvent le problème avec mes lumières en studio, ça fait un effet où ça décontraste l'image, ou encore avec le soleil. Là du coup ça permet de cacher ça. Pour la pluie c'est très pratique aussi. Et surtout, le but d'une matbox avant tout, c'est quand même de mettre des filtres au bout. Hop, t'as un petit pin. Rien de plus compliqué. Et t'as ton filtre qui est posé. Et du coup vous le voyez là, tac tac tac. Je vais le mettre actuellement sur la caméra qui filme et vous allez voir le rendu dans le studio. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On hoche la tête derrière la caméra en me disant que c'est peut-être un peu too much. Je trouve ça plus cool. Typiquement, peut-être le soir, lumière un peu de nuit dans la rue. Ou même lumière du soleil, quand il n'y a vraiment aucune lumière, ça fait vraiment un beau flair de lumière. Et on va aller tester ça dehors dès maintenant. Alors voyons voir à quoi ça ressemble. Là évidemment, je suis en train de tester, il se passe rien. Parce que pas de source lumineuse, il faut un point lumineux. Typiquement, si je repointe vers le studio, là vous voyez, là ça marche parce qu'il y a clairement un putain de flair d'ailleurs. C'est un peu fort. Bon, alors j'ai trouvé l'endroit qui va être Disneyland pour ce filtre, c'est le couloir avec les Philips Hue. Préparez-vous. C'est horrible. Ah, c'est immonde. Il y a un moment où c'est too much quoi. Mais tu vois, genre, c'est discret là, tu vois, là je l'ai. Tu vois là, bon, c'est subtil, tout est relatif, mais en fait ça fait un petit flair sur le spot en haut. Attends, on va aller voir ailleurs, on va se trouver un autre sujet test. Alors regarde, là tu vois. Là, en vrai, il y aurait presque un look. Ah ouais, là, c'est... Regarde, tu vois les petits flairs? Ah ouais, c'est propre. Tu donnes Maximène, là. Ah, oh, c'est horrible. Waouh. Oh la vache. Mec, un pâté. Attends, mais c'est normal. Oui, c'est un filtre fait pour ça, mais il y a des moments où c'est... Ah ouais, c'est un peu hardcore, quoi. Passe, tu vois. Ça, en fait, c'est bien quand t'as... Ah, regarde, là, c'est bien, regarde. Quand t'as peu de luminosité, voilà ce que j'allais dire. Là, t'as une petite light, ça passe, tu vois. Beau boîtier, ça. Combien cette merde? C'est un GH5. Ah ouais, c'est tout? Ah ok, d'accord. C'est pas ça la cam que t'as teasé? Non, c'est pas ça la cam que j'ai teasé sur Instagram. Je vais voir la cam. Tu sais quand est-ce qu'elle sera dévoilée? Non. Dimanche prochain. Oh. Allumez vos postes. Soyez présents. Bon je pense que cette bavure intersidérale montrera clairement que c'est pas si bien que ça, et j'ai payé 120$ pour l'avoir. Livraison. C'est vrai? De livraison. J'allais peut-être changer de métier moi. Dernier objet, je sais pas comment vous le dire, mais ça a l'air vraiment dégueulasse, que le packaging est immonde. Donc on rappelle, c'est donc un 420 800 mm à 100€. Ah oui, je vous ai pas dit, mais c'est pas un 420 mm 800 mm f4.5.6. C'est un f8.3.16. Avec un zoom pareil, en même temps, avoir une ouverture constante, ça aurait été abusé. Mais clairement, là, 800 mm f16, va falloir avoir un sacré paquet de lumière pour pas trop monter l'ISO. Le reveal,
Ça donne pas des masses envie, hein. Ça a l'air vraiment cheapos à mourir, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, mais de toute façon, vu le prix, pas s'attendre à un miracle. J'ai vraiment très peur. Bah, c'est pas grand, hein. C'est du métal. Honnêtement, je crois que c'est du plastique, donc déjà on est, je sais pas si c'est un bon point, mais c'est correct. Ah oui, c'est un push to zoom. En gros, bah là t'es à 420, tu tires, et ça zoom, et t'arrives à 800. Bah vu que j'ai pris mon tueur canon, parce qu'il y avait pas des masses de choix, je vous avoue, j'ai cet adaptateur. Oh là 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 là, mon dieu le bricolage. Non mais vraiment? Ah oui, ça se visse. Oh, ça existe ça? On va le monter. Donc j'ai un GH5 avec un Metabone, ce qui donne une monture canon. Pas un super jeu. Donc c'est bien ce qui me semblait, on a aucun contrôle de... Zéro contrôle sur le diaph. En fait, c'est juste bah, c'est F8.3 et F16 en fonction d'où t'es, point final. Est-ce qu'on va tester ça dehors? Oui, allons tester ça. Wow! Aujourd'hui, on vous présente ce magnifique 24 800 mm. Tun 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 tun. Machine à poivre. Oui, c'est un moulin à poivre. Un moulin à poivre, c'est ça que je cherchais. Bon, alors on va pas s'attendre à des merveilles, hein. Vise donc les balcons ou le mec dans les mecs. Oh putain, les petits voisins. Ça, c'est de l'espionnage économique, ça, en fait. Ah oui, je les vois. J'arrive pas à faire le point, en fait. Je vois pas de la netteté. Là, ça photocopie. Non, si, des nets, là. Enfin, t'es à peu près net. Ah, quand même, hein. Putain, c'est pas mal, hein. Eh ben, c'est super, hein. Non, ça marche bien. Allez, ciao. Ben, salut, hein. Je filme ton boule à 800 mm. Regarde-moi, fais la belle. Oui, la distance, c'est quand même impressionnant. Attends, je vais y arriver, c'est super. Eh ben merci, bon week-end, hein. Bon, de ce que j'ai vu, et encore je vois un retour de 3 pouces, hein, clairement, donc je vous avoue que j'ai pas la qualité trop en tête. Je pense que, honnêtement, si vous utilisez ça à 400 mm sur trépied, ça passe, vraiment, ça passe. Franchement, c'est pas dégueu. Bon, en photo, ça va être l'enfer pour faire la mise au point. Mais genre en vidéo, si t'as vraiment pas de tulle et que tu veux faire des oiseaux, de l'animalier un peu, pourquoi pas. Par contre, à 800 mm, j'ai l'impression que le piqué est tellement dégueulasse que j'arrive pas à faire le point, en fait. Je vois pas le moment où c'est net parce qu'il y a pas vraiment de moment où c'est net. Je suis pas très sûr de valider ce produit, quoi. Le petit test des produits est fait. Encore une fois, c'est un test de découverte. C'est pas un truc en détail. Il y a sûrement d'autres vidéos, enfin, clairement pas là-dessus, qui parle de ces produits en détail. Enlevons ces deux-là. Évidemment, j'espère que ça vous a plu et je remercie Holyland de sponsoriser cette vidéo et surtout, encore mieux, de vous faire gagner ce même kit que j'ai devant moi, quand même d'une valeur de près de 300 €, ça fait plaisir. Et pour le gagner, vous commencez à connaître les règles que je fais habituellement, c'est hyper simple. Il vous suffit, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne, c'est important, très important même, de liker la vidéo et de laisser en commentaire pourquoi vous aimeriez avoir ce kit et à quoi il vous servira, tout simplement. Si vous mettez, encore une fois, concours Holyland, concours micro, ça ne marchera pas, je ne prendrai pas en compte ces commentaires-là. Et le tirage au sort, comme d'habitude, se fera sur mon Instagram. Je vous invite donc à me suivre juste ici et je le ferai en story dans une semaine top chrono. Et voilà, il y aura un gagnant, il recevra son petit kit de micro. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, je vous dévoile enfin la caméra que j'ai acheté. Il y en a peut-être un ou deux sur une cinquantaine qui ont deviné ce que c'était, donc autant vous dire que c'est pas forcément le choix auquel vous pensez là maintenant tout de suite. Du coup, mettez-le sur votre agenda, rendez-vous dimanche prochain, 13h31. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde!